Extrait d'un sermon de l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui, sur la grâce de Dieu, la création de l'univers et des anges, l'élection des prophètes, l'avènement du prophète, la révélation du Coran, la loi d'institution divine. Grâce soit rendue à Dieu que nulle expression ne saurait glorifier, en dénombrer les bienfaits ou lui rendre l'hommage requis, ni les regards les plus profonds l'atteindre, ni les intelligences sonder son essence. Son être n'a point de borne ni de qualificatif, ni de terme ou de fin déterminée. Son omnipotence a modelé les créatures, sa miséricorde a répandu les vents, il a consolidé la terre avec des rocs fermes. Le commencement de la foi et connaissance de Dieu, son couronnement est d'y croire, sa perfection est de proclamer son unicité. Se dévouer à lui, c'est achever la foi en son unicité et rejeter toute multiplicité dans sa nature. Toute multiplicité se dédouble, tout dédoublement est ignorance de la nature divine. Toute ignorance est une désignation qui implique une limitation, qui dit limitation dit dénombrement. Toute interrogation, lui fixant un lieu ou une forme, est une négation de Dieu. Être incréé, existant éternellement avec tout sans comparaison et hors de tout sans différence, il agit sans notion de mouvement ni d'instrument, voit sans être vu de ses créatures. Seul, il ne s'attache à aucun lieu, ni en regrette la perte.